Bonjour, monsieur l'agent. Lourd antécédent criminel. Nombreux actes délictueux graves. Il y a quoi dans ce sac ? De la laque pour cheveux, principalement. Non, mais je vous ai marché. Hey, je vais bosser, c'est tout. Y a rien dans le sac, putain. Allez, quoi, c'est juste bon ? Infraction mineure, désobéissance civile. Je vous ai calé au boulot. Allez, laissez-moi prendre. Oh ! RAS. Quand je vous disais qu'il n'y avait rien dedans. La politique de tolérance zéro s'applique à tous les citoyens. Étonne. Présentez-vous sans attendre devant votre agent de probation. Merci, citoyen. C'est moi qui vous remercie. Fracture, le numéro 2. Merci. Max ? Ouais. Je croyais que tu étais... Tu es rentré depuis quand ? Ça fait quelque temps. Je vois que rien n'a changé. Oh non, c'est même pas ma faute, c'est... Non, bien sûr. Montre-moi ça. Et c'est pas ma faute, je te jure. C'est pas cassé qu'à moitié. Alors, t'as réussi. L'infirmière. Oui. C'est super. T'es toujours dans le vol de voiture ? Ah non, pas du tout, j'ai arrêté ce genre de conneries. Maintenant, je travaille chez Armadine. À la chaîne, en attendant de monter en grade. Frère, on a besoin de toi au troisième. Tout de suite, j'arrive. Dis, maintenant que t'es revenu... Une seconde, Max. Une seconde. Dominica, tu veux bien me remplacer ici ? Non, parce que, vu que t'es revenu, enfin... Max, il faut que j'y aille, désolée. Ça m'a fait plaisir. Et arrête les bêtises. J'ai arrêté ? Fred, j'ai compris pourquoi tu avais quitté le quartier. Écoute, si j'avais eu ton intelligence, ce serait parti moi aussi. Allez, dîne avec moi. Bon d'accord, juste un café ensemble, ça m'ira. Non. Oh, t'exagères. Quoi ? Pour que tu fasses attention à moi, il faut que je me casse le bras ? Si c'est ça, j'y suis prêt. Arrête. J'ai une vie compliquée, Max. Fred, tu me manques. Je quitte le service à 20h. Mercredi, d'accord ? Ouais, d'accord. Un café ? Ouais, un café, ça marche. Allez, dehors. Les libérés conditionnels doivent passer par le détecteur d'armes. Toutes les personnes sont assurées. Avant toute chose, je souhaiterais Max m'expliquer... Max Acosta, violation de l'article 2219 du Code pénal aujourd'hui à l'arrêt de bus 34B. Oui, c'est exactement de ça que je voulais vous parler. Je pense que c'est un malentendu. Probation rallongée de 8 mois avec effet immédiat. Ouais, pardon, non. Non, mais je vous explique, j'ai juste fait une plaisanterie et... Arrêtez de parler. Et c'est là que... Les agents de police ont signalé un comportement violent et asocial. Ah, putain. Nous sommes au regret de devoir rallonger la probation. Accélération du rythme cardiaque détecté. Souhaitez-vous un cachet ? Non. Merci beaucoup. Par contre, arrêtez j'aimerais bien de parler. Expliquer ce La matrice de personnalité indique un risque de 78,3% de régression vers d'anciens schémas comportementaux. Vol de véhicule, agression à main armée, rébellion lors de l'interpellation. Souhaitez-vous parler avec un humain ? Non, ça ira. Merci beaucoup. Êtes-vous sarcastique et ou injurieux ? Négatif. Injurier à un agent constitue une infraction pénale. Bien compris.